on n'est pas, malgré nos performances, c'est depuis 2018, on n'est pas lâché. Donc c'est vrai que là, c'est deux matchs à domicile avec une équipe de Dijon qui est une bonne équipe, mais on doit faire un bon match pour gagner le match. Après, il y a le match de Rennes qui est un derby. Et voilà, ce serait bien de gagner aussi. On va dire se concentrer sur ce week-end. Et voilà, on n'est pas lâché. Il reste quelques matchs pour prendre des points et essayer de récupérer le petit retard qu'on a pris. Ouais, on est dans le dur. Après, il y a des fois, il y a des moments comme ça. On n'a pas encore réussi à sortir la tête de l'eau. Mais voilà, c'est avec le travail. Et je pense qu'après, il suffit d'un déclic, d'un bon match pour se remettre d'aplomb. Et voilà, il faut surtout qu'on reprenne notre solidité défensive qu'on avait auparavant, pardon, pour pouvoir avancer et marquer ce but. Si on gagne à zéro, c'est bien. Là, on prend plus de buts déjà. Donc pourquoi? Peut-être parce que les efforts sont. On fait moins d'efforts. Peut-être parce que c'est comme ça. Voilà, je peux pas. On a peut-être plus de retard sur les joueurs, quand on presse, sur le pressing. Voilà, après, c'est toujours des petits détails, mais ces petits détails, ils sont toujours hyper importants. Mais je pense que c'est sur ces détails-là qu'il faut qu'on appuie le plus possible pour revenir à notre efficacité. Je pense que c'est toujours un peu usant, mais après, au final. Vu que tu gagnes, tu fais abstraction, tu te reposes pas sur ça. Mais c'est sûr que quand tu gagnes 1-0 et tu as l'occasion de tuer le match avec d'autres occasions, et finalement tu le tues pas, c'est vrai qu'à la fin du match, bah, t'es obligé les 20 dernières minutes, elles sont souvent difficiles, ça c'est sûr et certain. Après, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour essayer de tuer le match. Maintenant, voilà, comme on l'a déjà dit par le passé, ces victoires-là font toujours du bien. Je pense qu'elles nous ont aussi apporté par rapport au classement aussi. Maintenant aussi, on a moins de chance que les 6 premiers mois. Après, la chance, ça se provoque. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne la provoque pas. Donc, c'est à nous de faire ce qu'il faut, de remettre le but de chauffe, de travailler tous les éléments qui sont importants qu'on ne fait plus aujourd'hui, qu'on fait moins du moins. Et voilà, je pense que ça va le faire. Ah, c'est sûr que ce serait du gâchis, c'est sûr, par rapport à la saison qu'on fait. On a fait plus de 6 mois cinquième. Donc c'est vrai que ce serait vraiment du gâchis, ce serait une déception aussi. Après, le but de base, c'était pas d'être cinquième, c'était de faire au moins bien et au moins mieux que l'année dernière, ou faire pareil. Donc faut être ambitieux. Donc être ambitieux, c'est aujourd'hui, c'est viser l'Europe. Et je pense qu'on a tous envie, pour le club, les supporters, les joueurs aussi, ça apportera à tout le monde. Donc voilà, faut qu'on donne tout sur les derniers matchs pour essayer d'accrocher cette place.